C'est parti. On est parti pour une petite rando la nuit. Assez beau, hein? Mais l'ambiance terrible. On va rejoindre une petite maison abandonnée à 1700 mètres d'altitude. Petit chemin bien sympathique. Des petits cours d'eau qui passent. En dessous, il y a des cascades. Là, pour l'instant, on est sur un chemin qui est gros. Bon, on va vite le quitter. Pour un chemin bien plus sympathique. En pleine forêt. Il paraît qu'il y a des loups dans le coin. J'aimerais bien en voir. On ira peut-être faire un petit tour en forêt après. Allez, on va couper là et on prendra un petit peu plus tard. On entend les cascades là. C'est super sympa. Je m'éclaire un peu, je sais pas où je vais. Et là, on va prendre un petit chemin qui part un petit peu en hauteur. Si on trouve. Voilà, il est là. Allez hop. On quitte le gros chemin. Et on part dans les bois là. Et là, on est seul au monde. Ça grimpouille. On reviendra tout à l'heure. À tout de suite. Il y a des bruits. Il y a de la bébête qui court. Ça grogne et ça aboie. J'adore. Je vous montre le paysage. Eh ben, on voit rien. On arrive. Petite maison abandonnée au fin fond des Alpes. Ambiance. Je vais mettre mon matériel. Voilà. On est arrivé. C'est calme. C'est géant.
On va rentrer. C'est l'ouverte. Voilà. Le lieu de l'enquête. Ah. Ça, c'est... Tout est d'époque ici. Et alors, on va pas chercher d'autres pièces. Pourquoi? Regardez comme c'est beau. Parce qu'il n'y en a pas. Tout ce qui est à côté. Voilà. C'est une petite étable. Oh, j'adore ce lieu. Quand même vous montrer juste au dessus parce qu'il y a un étage et après on ira peut-être faire un tour en forêt pour chercher le loup. Il paraît qu'il y a une meute. Et voilà l'étage. Oh, on a plein d'amis. C'est plein de chauves-souris. Baisser un peu, regardez ça, plein de chauves-souris. Je sais pas ce que c'est ici comme chauves-souris. Autant chez moi c'est des pipistrelles, mais là elles sont un petit peu plus grosses. Il y en a qui dormaient là. Voilà, donc ça c'est le dessus qui est pas forcément vraiment au dessus de la maison, il est un petit peu décalé. Allez, on va les laisser tranquilles. Elles vont pouvoir se poser avant qu'elles nous rentrent dans la tête. Elles sont à fond. Allez, on retourne en bas. Je ne peux pas vous montrer le ciel parce que la caméra ne le permet pas. Mais il est d'une beauté. Allez, on y va. Voilà, on revient à notre petit lieu. Regardez ça. Petit jeu de cartes qui va bien. Tout est là. On va se poser tranquillou. Je vais installer le matériel. Puis on se retrouve tout à l'heure. Ça roule? Allez, c'est parti. Quand on entend des bruits qui viennent d'ailleurs, c'est votre Ghostbox. Il marche toute seule. On les donne. Donc je recommence, je m'appelle Jedi. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Je viens juste pour voir s'il y a moyen d'avoir une petite communication, s'il y a quelqu'un ou quelque chose ici. Petit truc qui fait du bruit. Bon, je pense fortement que c'est un ami animal. Bon, j'ai mis les détecteurs, mais je pense que je vais peut-être en laisser qu'un seul. Parce que ça allume chaque fois. Je vais peut-être enlever une bougie aussi. Pour qu'on ait un petit peu plus. Voilà. Déjà, je vais me placer là. Ça va être un petit peu plus sympa.
Donc ce qui serait sympa, c'est de savoir si il y a une communication qui peut se faire dans cette maison. Alors après, c'est peut-être par des bruits ou autre. J'ai mis quelques petits instruments. Je vois que vous aviez l'habitude parce qu'il y a énormément. On va les montrer un petit peu. Ça marche, ouais. Alors ouais, je viens d'enclencher le détecteur. Ici, il y a énormément de radios. Et plein. Encore une sur la table. Alors je pense que vous connaissez un petit peu les moyens de communication. Voilà, moi j'ai mis un petit micro ici. On appelle ça dictaphone. Où je peux enregistrer si vous avez envie de parler, faire du bruit. J'ai entendu un truc chelou. Ah ouais, c'est la souris. Oh. C'était quoi ce vieux bruit? J'adore. Donc je disais que vous avez l'air d'aimer la communication. J'arrive pas à savoir si la bébête, j'ai parlé en même temps. Je confirme, il y a une bébête, hein, je suis persuadé. Ça a gratouillé, ça gratte plus maintenant. Et... Donc je disais que j'ai mis plein de moyens de communication. Il y a des caméras, tout ça, pour pouvoir communiquer. Donc si vous voulez faire du bruit, c'est bizarre le bruit de tout à l'heure. Donc voilà. J'ai des petits détecteurs, si vous avez envie de vous déplacer vers ces détecteurs, ça les allumerait. Il suffit de vous déplacer, vous allez vers ces détecteurs, et hop, ils s'allument. Il y en a un de chaque côté de la pièce. Il y en a un qui est par terre, un autre sur une chaise là-bas. Voilà. Donc moi, comme je vous le disais, je m'appelle Jedi. Si vous avez envie de me dire votre prénom, que vous avez pu vivre aussi ici. Voilà, c'est une bergerie qui est complètement abandonnée. Et ce qui est dingue, c'est que il y a encore tout, quoi. Voilà. Il y a là. J'ai mis un petit pendule ici. Là-bas, c'est là. Là-bas. Je vais aller voir après. J'ai mis un petit pendule ici. Je vais voir dans la pièce d'à côté. Si vous avez envie de parler avec moi avec des oui ou des non, si je vous pose des questions, vous pouvez projeter la bouche sur un oui ou sur un non. C'est pas très compliqué. Faites-vous plaisir et ça ira directement, je vous montre.
Vous voulez du oui? Hop là! Là, c'est parti sur le oui. D'accord? Voilà. Je vous le remets au milieu. Il faut vraiment effleurer. Ça brasse. Hop, on va se mettre un peu plus dans le noir. Hein. Là j'ai enclenché le détecteur mais j'en ai enlevé un. Parce que je peux pas le déplacer en fait, c'est petit ici. Hop. Je vais le mettre dans le sac. Voilà, bon, je vous propose une communication. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, bon par contre j'ai entendu un truc bizarre tout à l'heure. Mais il y a aussi une bébête qui traînait tout à l'heure. On entendait. Donc il va falloir que je fasse la part des choses avec tout ça. On va essayer de marcher plus aux questions-réponses. Donc que ça fasse du bruit au moment où je le demande. Pas n'importe quand. Comme ça, on va éviter le bruit des bébêtes. Ou pas. En tout cas, cette petite maison, maisonnette, parce qu'elle est petite toune. Hein. Si on peut regarder là, c'est vraiment. Voilà quoi. Il y a encore une vie, hein. C'est ça qui est fou quoi. C'est ça qui est fou. Un portrait là-haut que je ne montrerai pas trop, on n'a pas besoin de montrer. Hop. Faut que je fasse gaffe avec. Je vais peut-être l'éteindre, elle est peut-être un trou. Hop. Voilà, comme ça on n'a que de lumière. Infrarouge. Je vais me mettre un peu ici. Ça brasse. Je sais pas où. Est-ce que vous avez vécu très longtemps ici ? Vous avez moyen de me faire part un petit peu de ce que vous avez vécu peut-être. Que cette maison est abandonnée depuis quelques dizaines d'années. C'est ça qui est marrant parce que comme quoi personne passe ici. Elle est dans un état mais enfin, nickel quoi. On a l'impression que vous allez revenir ce soir. Peut-être pas quand même. Mais c'est magique quoi.
ça reste un petit endroit pour faire une enquête. Mais ça me tenait à cœur parce que je trouve ça très sympa. Puis mignon, quoi, c'est vraiment le genre de lieu que j'affectionne. Toute intimité. Hop. Alors, ça reste calme, à part les premiers petits bruits qu'on a entendus. Je suis en train de me tordre la main là. Hop. Par les premiers petits bruits qu'on a entendus. Avec le mélange, un petit animal qui était là, puis d'autres choses, je sais pas. On écoutera ça après, la réécoute. Si vous avez envie de jouer, parce que je vois que vous étiez joueur. Il y a un jeu de cartes ici. Peut-être que tout à l'heure, on pourra essayer de jouer avec des questions-réponses avec ce jeu de cartes, si ça vous intéresse. Vous avez moyen de faire un bruit? C'est vous qui avez fait ce petit bruit? C'était comme un bruit de plancher. J'adore quand ça répond. Quand on pose des questions, qu'on demande. Ça, c'est sympa. Ce bordel. Oh. Oh putain, ça brasse dans tous les sens. Je le sors, mais j'ai pas de lampe. Avec l'infrarouge, je vais rien voir du tout. Mais ça brasse, hein. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Ça brasse là-bas? Ça s'est mis à brasser là. Il faut quand même que j'aille voir. Si j'ai moyen, j'ai déclenché le détecteur. Je vous rappelle que je suis en pleine forêt. Sable.
autre chose. Si je reviens pas, c'est que je me suis fait buter par un loup. Pareil qu'il y a des meutes. Pas grave. Je vous rappelle que je suis paumé au fin fond de la forêt. Et je suis tout seul. Tout seul ou pas, attention. Hop, je vais descendre un peu la lumière. Tout seul ou pas. Parce qu'il y a peut-être des bébêtes dehors. Et j'avais pas l'impression que ça venait de dehors. Ça brassait plus là, à l'évier. Là. C'est un évier ça? Non, c'est une table. Là, il y a l'évier. Et faites pas la vaisselle quand tu es là. Hein. J'ai pas l'impression d'être tout seul dans cette maison. Est-ce que je suis... Est-ce que j'ai raison? Vous avez moyen de faire un bruit pour me le prouver? Là, maintenant. J'ai entendu une voix. C'est génial, j'adore. Mais où? J'espère que ça a enregistré ça parce que. Waouh! Elle est kiffante cette maison! Là, cette maison. Ça y est quoi? Moi je vais me poser. Je suis là-bas, vous faites du bruit ici. Je suis ici, vous faites du bruit là-bas. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que ça vous fait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent comme ça vous voir? En toute simplicité. Pas pour voler, pas pour saccager, mais venir vous voir, tout simplement.
passer ici. Là. Et quand j'étais là, ça a brassé là-bas. J'ai des lions ici. J'adore. Petit mais costaud. En tout cas, ça m'a l'air d'être très sympathique. Ça brasse, ça bouge, ça fait du bruit. Après, il faut faire la part des choses avec les bébêtes. Allez hop. Je remets juste la lumière à fond. Pouvoir, vous savez quoi, je vais éteindre la dernière bougie. Ce qui est dommage, c'est qu'après, j'ai plus d'allumettes pour en allumer. Sympathique de se mettre complètement dans le noir. Et allez hop, c'est pas grave, on est des fous. Ah. J'arrive pas à savoir où ça brasse. Là, ça a brassé là. Ça a brassé vers la caméra là-bas. Elle a dû bien capter. Je peux le mettre en face parce qu'il y a la lumière, ça fait une interférence. Ben, ça a tapé. Alors là, vous avez fait du bruit vers l'autre caméra. Tout à l'heure, c'était à l'opposé. Vous avez moyen de refaire des bruits à l'opposé ? Ça serait super sympa. Tout à l'heure, j'utiliserai d'autres instruments. Pour l'instant, vous avez le droit d'utiliser ce que j'ai mis en place. Il y a le petit pendule, là, si vous avez envie de vous amuser avec. Je vois plus rien du tout, là, je suis dans le noir complet. Mais ça filme. Si vous avez envie de vous amuser avec, faites-vous plaisir. Ça filme, mais moi, je vois pas. Je verrai après. Peut-être vous avez moyen, pour dire que vous avez envie de communiquer, de mettre le petit pendule sur oui. Allez-y. Ça serait super sympa. Ça vous brasse. Ça brasse, ouais. Ça brasse, je sais pas où, putain. Ça brasse au-dessus. Là où il y a les chauves-souris. Mais c'est pas le même endroit, là. J'y vais voir. Je suis dans le noir complet. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah ben, merci. Ça c'est sympa. J'ai entendu une voix.
Je vais aller voir au-dessus. Si vous avez envie de communiquer ici, j'ai le dictaphone et la caméra. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, taper contre un mur, faire tomber un objet, n'importe quoi, faites-vous plaisir. Moi je reviens, je vais juste voir au-dessus pour une confirmation. Je reviens. Ou pas. On va aller voir au-dessus. Attends, ça m'interpelle, non ? Je veux pas prendre des chauves-souris dans la tête. Je veux dormir. Moi, je dors ma journée. Elle brasse. Et là, ça brasse au-dessus. Oui, il y a des lits et des cordes un peu glauques. Je connais. Chasser. Je vais redescendre. Mais ça brasse à l'intérieur de la maison. Ça brasse à l'intérieur de la maison. Vite, vite, vite. Ça brasse ici. Je suis allé voir au-dessus. Ça marche toujours ce tiers là. Ouais. Il n'y a rien qui peut faire du bruit. C'est quoi cette lumière? Ah, c'est bon. Ici, j'ai un instrument, si vous rapprochez, je l'avais complètement zappé. Si vous vous rapprochez de lui, il peut changer de couleur. Est-ce que vous avez peut-être moyen de vous rapprocher? On appelle ça un cadeau. Vous rapprochez, il change de couleur. Il y a différentes diodes, ça va jusqu'au rouge. Les diodes, c'est des petites lumières. Vous avez peut-être moyen de le faire aller jusqu'au rouge en vous rapprochant, en jouant avec.
après, peut-être que les instruments que je vous ai amenés ne vous plaisent pas. J'en ai d'autres, on peut essayer avec d'autres instruments si vous voulez. Je vais peut-être essayer un nouvel instrument. À moins que vous ayez envie de communiquer là, tout de suite. Je suis en train de marcher dans le noir, je vais peut-être me prendre un mur. Je sais pas trop. Ouais, je pense pas. Hop, ah, non, je suis encore loin. Allez, essayez de faire une dernière communication avec moi, puis on va peut-être essayer un nouvel instrument. Un petit bruit. Est-ce que vous avez brassé pendant que je n'étais pas là? Il y a peut-être des choses qui se sont passées. Je verrai peut-être après. Vous avez moyen de me dire quelque chose là? C'est pas un bruit d'animal. Écoutez, je vais peut-être essayer d'utiliser un nouvel instrument là. Si ça vous dit. Pas trop le mettre loin de... N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire du bruit, vous manifester, vous êtes chez vous, donc il n'y a pas de souci. Alors, c'est un instrument qui fait un petit peu du bruit. Sauf que là, j'ai fait de manière à ce qu'il en fasse pas trop. Mais je le mettrai près du micro pour qu'on entende. Voilà, il fera pas vraiment de bruit. Hein. Mais c'est pas grave, je vais le mettre à côté du micro. Du dictaphone là. On va le mettre en face.
J'ai entendu murmurer. Je ne sais pas si la ghost box est un bon plan, parce que là... Vous voulez pas que je joue avec ça ? Chaque fois que j'enclenche la ghost box, ça murmure. C'est kiffant, mais je sais plus quoi faire. Bon, je vais attendre pour la ghost box. Je vais réussir à éteindre ma lampe. Ok, allez hop, je me remets à fond là. Alors, je sais plus trop quoi faire en fait. Je voudrais utiliser. Je vais mettre là-bas. Il faut juste que je trouve le bout de la table. D'autres instruments. Mais après. Je sais pas. J'entends des choses une fois que j'enclenche mes instruments. Donc je sais plus trop quoi faire en fait. Est-ce que vous voulez que j'utilise d'autres instruments ? Écoutez, si vous voulez pas que j'utilise d'autres instruments, ça va être plus simple. Ça va être un bruit. Je me suis peut-être embrouillé dans ma question. Si vous voulez qu'on reste en communication sans instrument, juste comme ça, ben faites un bruit, tout simplement. Allez-y. Ok, on va peut-être éviter la ghost box. Du coup, bon, mais écoutez, on va rester peut-être juste avec le dictaphone, si vous voulez. Alors, allez, où est le cam ? Je vois plus rien. Je ne sais même pas si ça filme. J'ai tout tourné là, donc... Hop, hop, hop. Alors, problème... Il filme toujours. J'ai l'impression que c'est même pas la technique, les nouvelles technologies. Je vais pas sortir la tablette, hein, sinon c'est... En tout cas, c'est un plaisir d'avoir des communications, de pouvoir entendre
Après, j'arrive à faire la part des choses entre les bébêtes qu'il peut y avoir et... des bruits dans cette maison qui peuvent correspondre à un vécu ou autre. Il y a un mélange des deux, en tout cas, ça c'est clair. C'est pas une maison où je vais rester très longtemps. Là, je vais... Ça va faire une heure que je suis ici à peu près. Peut-être un peu plus, je sais pas. Bon, une heure et demie. Une heure et demie, je pense. Si vous avez encore envie de communiquer, bah écoutez, moi je suis prêt à... Voilà. Avoir une communication. Ça aurait été sympathique que vous jouiez un petit peu avec mes instruments, mais je vois que vous n'avez pas trop envie en fait sur le coup. Bon, ben sur le coup, je viens d'avoir une cam qui vient de rendre l'âme. J'en ai une qui tombe toujours là-bas. Bon, ma cam vient de rendre l'âme, mais... Je vais changer la queue. Tourne là-bas, elle tourne un peu, là c'est mort, donc je vais reprendre la, si je la trouve, bien évidemment, non, ça c'est une table, je sais absolument pas où est la frontale. Quelqu'un? Bon, tranquille. Ouais. Je suis attaqué par un papillon maintenant là. Allez, attends. Pénible toi, il me colle. Je suis un peu... Ok. Je trouve que dans cette petite maison, si on enlève les bruits ambiants, de bébêtes, de machin de bidu, il y a des bruits qui sont quand même... Je demande vraiment à réécouter, parce que là, il y a des trucs qui m'interpellent vraiment. Donc il y a un moment qu'une souris est craquée sur moi et qu'elle m'appelle par mon prénom, ok. Mais bon, je suis pas sûr. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un murmure quoi, avec mon prénom. En tout cas, c'est le calme. Je vais même fermer ici pour enlever le bruit des criquets là. Mais écoutez. En tout cas, si c'est vous qui avez essayé de communiquer avec moi, c'est quoi du bruit?
assez fun. J'ai franchement adoré. Je trouve ça super sympa. Je vois pas la cam, je sais même pas où elle est. Je mets les doigts devant. J'aimerais comprendre, voilà. Là, je suis dans le noir complet là, donc. En tout cas, c'est super sympa. C'est vous qui avez essayé de communiquer avec moi. Hormis toutes ces bébêtes, comme je disais. Voilà, j'aime bien, ça me fait du bien. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Après, c'est dommage que vous n'ayez pas essayé de jouer avec mes instruments, quoi, tout simplement. Hein. J'avais amené pas grand-chose. Je l'ai fait très simple, hein, ce soir. Le petit pendule, un dictaphone, un détecteur qui traîne dans le coin. Voilà. Donc si vous avez envie de déclencher au moins un des trois. Ah oui, il y a le petit détecteur, ce qu'on appelle l'EMF. Si vous vous rapprochez, vous pouvez le faire changer de couleur. Donc il y a un côté... La caméra tout part en live. Il y a un côté très sympa, quoi. C'est très simple, en fait, comme communication. Voilà, c'est tout ce que je recherche. Pas des preuves, hein. C'est juste des petites expériences avec quelque chose, quelqu'un qui voudrait communiquer avec moi, tout simplement. Écoutez, je vais pas tarder. Si vous avez envie de communiquer peut-être une dernière fois avec moi, en faisant un bruit, là. Histoire de... Hop. De finir sympathiquement. Ne prenez pas la table. C'est fait. Voilà, donc j'aurais pas utilisé mes instruments que j'utilise d'habitude, mais c'est pas bien grave tout ça. On s'en fout. Le but étant juste d'établir quelques petites communications sympathiques. Bon, écoutez, moi de sang, j'ai dit que j'allais partir là. Donc on va se dire au revoir. En tout cas, je vous remercie. Et je vais débrancher tout mon matériel. Je vais laisser tourner le dictaphone, si vous avez encore quelque chose à dire. Mais je vais commencer à débrancher mon matériel et puis je vais y aller doucement. En vous remerciant encore de cet accueil. Voilà. Allez, je débranche la totalité. Bon allez, on va pas se laisser distraire. Je vais essayer de tourner la cam ici pendant que je range le matériel et je rangerai les deux caméras et le dictaphone en dernier. Thank you.
bien sympathique. Et si je croise les petites bestioles, ben, je rallumerai la caméra, mais bon, pas sûr. Bon, ben, à bientôt pour une prochaine enquête. Allez, bye bye.